Bonjour chers étudiants, vous êtes sur la chaîne de télévision 2F TV en compagnie de M. Konaté Tchakalidja, spécialiste en logistique, chargé de vous présenter le cours de gestion du transport en conteneur. Je vous présente aujourd'hui les raisons du développement de la conteneurisation. Alors, il est important de savoir les raisons qui ont amené donc l'avènement du conteneur. Ces raisons sont de plusieurs ordres. Nous avons d'abord les raisons techniques. Vous devez comprendre que le développement de la conteneurisation a bénéficié donc d'apports techniques qui sont entre autres une normalisation réussie. L'avènement des TC a participé à la réglementation du commerce maritime international parce qu'ils ont permis d'avoir une lisibilité dans les différentes transactions. Ensuite, il y a une adaptation aux marchandises, mais toutes sortes de marchandises. Ainsi, à chaque marchandise, il faut avoir besoin de conditionnement afin de protéger les marchandises. C'est pourquoi on a créé, n'est-ce pas, pour chaque type de marchandise, un type de conteneur bien approprié. Vous avez également des raisons d'ordre commercial. Alors, pour ces raisons, on citera le premier élément, il s'agit d'un transport plus sûr et fiable. En effet, avec le conteneur, nous avons moins d'avaries, moins de risques et de vols, les conditions de sûreté sont appropriées et également le transport est plus aisé. Nous avons aussi et surtout un meilleur transit time global. Il faut comprendre par là le temps mis pour exécuter les opérations de manutention avec célérité. Donc, lorsqu'on utilise le conteneur, on notera que la cadence de manutention est extrêmement importante. Et cela à l'avantage des ports, des aéroports et de toutes les plateformes logistiques. Il faut noter également une baisse du taux de fret et de la prime d'assurance. L'utilisation, l'exploitation du conteneur va engendrer à n'en point douter une baisse du taux de fret. Parce qu'avec le conteneur, le coût du transport maritime et la prime d'assurance à payer par les chargeurs sont moins élevés par rapport à une cargaison transportée en conventionnel. Bien, on notera également que la conteneurisation a engendré des conséquences. Et ces conséquences, il faut le voir sous deux angles. Il y a des avantages. Lesquels avantages profiteront aux compagnies maritimes? Pour les compagnies maritimes, on notera un gain important de temps, une économie sur le coût de manutention. Pour le réseau routier, il y a une réduction du temps de stationnement pour les conducteurs et le matériel roulant. Un gain de temps au barrage routier, bien entendu, pour éviter les tracasseries routières de toutes sortes. Vous avez également, pour l'écosystème en général, donc pour notre environnement, selon Vladimir Garov, qui est spécialiste encore de la logistique, il décline que par rapport au transport d'une tonne de marchandises diverses, le conteneur permet d'économiser 26 tonnes de métaux, 200 000 mètres cubes de bois et 20 millions de mètres cubes d'emballages diverses. On notera que pour l'économie, en général, le conteneur a des avantages important.
parce que le conteneur, de par les nombreux avantages qu'il apporte à la marchandise, à savoir l'étanchéité, le confort, la diminution des vols et des pertes, nous permet de faire des économies sur les emballages. Et cela au profit des chargeurs. Pour ce qui concerne les inconvénients, on va rester évidemment dans la nature des choses pour indiquer autant qu'il y a des avantages, il y a également des inconvénients. Et les inconvénients, pour ce qui concerne la conteneurisation, donc l'avènement du conteneur, on notera la lourdeur des investissements. Qu'est-ce qu'il faut entendre par lourdeur des investissements? Vous savez, le matériel qui est utilisé pour l'exploitation de conteneurs coûte cher. Vous avez les portiques, les grues, les chariots élévateurs qui constituent donc des éléments qui ont un coût important. Il y a également les bâtiments qui se retrouvent dans l'enceinte portuaire qui coûtent cher. Vous pouvez noter également que le conteneur est une source d'activation du chômage. Pourquoi une source d'activation du chômage? Parce que si nous prenons l'exemple de deux navires, sur le quai, un navire conventionnel et un navire qui porte des conteneurs, vous noterez que le navire conventionnel affectera plus de main-d'œuvre que sur le navire qui porte des conteneurs. Ainsi, la conteneurisation enverra certes une révolution dans le secteur du transport, mais fera l'économie de la main-d'œuvre par endroit. On notera également qu'il y a une insuffisance et absence relative de main-d'œuvre qualifiée. C'est à juste raison que le programme qui conduit la filière logistique s'est vu donc ajouter la gestion du transport en conteneur. Cela pour permettre donc la formation des étudiants en vue d'exercer les métiers qui concernent le conteneur. On a également une inadaptation et une insuffisance de l'infrastructure routière et ferroviaire. Le conteneur qui doit être transporté du port dans l'arrière à l'intérieur du pays ou au-delà du pays, donc vers l'interland, a besoin d'une infrastructure routière de pointe. Sinon, on notera une congestion au niveau des routes et cela ne permettra pas une certaine fluidité dans le transport, n'est-ce pas, international, dans le transport au niveau donc du commerce international. Chers apprenants, pour tester vos connaissances, je vous présente une série de questions qui vous permettront donc de vous exercer. Ce sont des questions du cours. Alors, 1. Définis les termes suivants. Conteneur, la taille, la masse brute maximale, la charge utile. 2. Présenter les raisons du développement de la conteneurisation. 3. Quels sont les avantages et les inconvénients de la conteneurisation? Pourquoi dit-on que l'avènement du conteneur, n'est-ce pas, fut une révolution? 5. Donner les dimensions standards du conteneur. Et en 6. Dresser le tableau des équivalences. Chers apprenants, cet exercice donc, sera corrigé à la prochaine séance. On retiendra donc que les raisons de la conteneurisation sont d'ordre technique, à savoir une normalisation réussie, une adaptation aux marchandises, et également il y a des raisons d'ordre commercial. Donc, à savoir un transport plus sûr et fiable, un meilleur transit time global, une baisse du taux de fret, et également donc de la prime d'assurance,
qui profite au chargeur. Et donc, pour cela, on nous dira que la contaminisation a engendré, bien entendu, des avantages aussi bien pour les compagnies maritimes, pour le réseau routier, pour l'écosystème en général, et également pour l'économie, également, parce qu'il permet de faire donc des économies à tout point de vue. Mais on n'en restera pas là parce qu'il y a aussi des inconvénients, à savoir que tant que le conteneur vient, mais doit obliger, surtout nos pays en voie de développement, d'investir davantage au niveau donc du matériel, des infrastructures, des superstructures, et à savoir également que le conteneur a engendré le chômage, ce qui n'est pas du goût des pays en développement, parce que l'indice au niveau donc du chômage devient alarmant à ce niveau-là. Également, le conteneur met à nu un certain nombre d'insuffisances au niveau de la formation parce qu'il faut davantage former la main-d'œuvre parce qu'elle n'est pas qualifiée au niveau de l'exploitation donc, du conteneur. Aussi, il faut adapter donc, l'infrastructure routière et ferroviaire donc, à l'exploitation du conteneur. Chers apprenants, je vous demande pour toute suggestion et remarque de vous adresser, de vous orienter vers le site Facebook de DZF TV. Monsieur Konaté Jakaridia a assuré donc la présentation du cours de gestion des transports par conteneurs.